Bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré, c'est le JLPP été. Nous sommes le 12 juillet et je passe la semaine avec la divine Prisca. Applaudissements pour Prisca. Et le non moins divin, Papa Drag. Merci. On est ensemble jusqu'à vendredi, ça va, vous allez me supporter? Ah, oh, ça va être chouette. Oui, ça va être chouette Badour ou quoi? Ça va être chouette Badour. Chouette Badour, très bien. Donc toi Prisca, tu es chanteuse, tu fais des comédies musicales. Oui. Là, chanteuse et comédienne du coup, parce que pour faire des comédies absolument. Musicales, il faut les deux. Voilà, oui. Et là tu fais ton premier one-man show musical, on va dire? Ouais, one-woman show, pardon. One-woman musical, j'aime bien ce terme-là, parce que c'est un peu nouveau. Parce que ça s'appelle... c'est un musical seul en scène, mais avec deux musiciens super. Ça s'appelle Vrai? Ça s'appelle Vrai. Et c'est à l'Archipel? C'est à l'Archipel à 19h, les vendredis et jeudis. Bon, on va voir à quoi ça ressemble? Ah ouais. Allez, paf. En sortant de scène, en français parce que mon public est pas bilingue. You're not Americans, but alors you're French. C'est pas pour faire joli le truc qu'on a fait là, ding ding ding. C'est vrai, il y a un message dedans. Moi, de toute façon, ce soir, j'avais envie de chanter. Moi, je rêvais de jouer dans des grandes comédies musicales. On m'appelle Baby Doll, j'étais votre idole. Personne ne m'écoute, bande con. Mais Prisca, c'est certain, hein, vous avez du talent. Mais vous n'avez pas de name. C'est comme pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat, pas de name. Pas de fame. Et un jour... souvenez-vous bien de ce visage. The past fades away because have you get yet? Who's the best yet? If your hands are tell you one more time, you've had your last time. In all of the world so far, I am the greatest, greatest star. Non. Bravo Prisca. Merci. Bon, on va parler ça tout à l'heure, n'est-ce ouais, pas? Oui, avec plaisir. C'est Papa Drag. Toi, tu es chanteur, tu sors un e-book, tu fais plein de choses. Oui, je fais plein de choses. Ouais. D'abord, franchement, c'est génial. C'est génial, son truc. J'ai pété de rire. Est-ce que toi, Prisca, tu vas aimer ce que fait Papa Drag? Alors, je sais pas. Je suis sûre que oui. On regarde ce qu'il fait. Allez, on y va. C'est parti. Je me suis pas battu pour être sur scène, je me suis battu pour ce que j'étais. Vivre une belle vie et une vie comme ils ont envie de la vivre. Oh, bravo mon gars. Bravo. Merci. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens qui se sont reconnus? Il s'avère que votre nom est sorti plusieurs fois. On est donc très heureux de vous accueillir ce soir. Annoncer un message comme ça, forcément, ça demande de la fragilité. Pour ne pas cesser de vivre. Papa Drag disait tout à l'heure que son intervention, son passage dans The Voice relevait du sacré. Eh bien, il y avait une sacralisation aussi dans cette chanson. Notamment quand il y a du dialogue, de l'échange, de l'éducation, de la pédagogie. D'ailleurs, tu sors un livre interactif sur ton histoire. De l'aimer, de lui apprendre que l'amour. En ne formant qu'une même ronde, chanter encore. Bravo, alors ça t'a plu, Prisca? Hein? Alors. Tu restes interloqué? Ah, moi je suis sciée. T'es sciée, c'est-à-dire? Mais là, j'ai un milliard de questions, du coup. Mais quelle voix! Pose-en une alors. Mais
ta formation avec cette voix, est-ce que tu as été formée à ça ou est-ce que c'est un cadeau, bam, comme ça? Ben écoute, en fait, j'ai découvert le chant à 16 ans, mais c'était très particulier. En fait, je suis rentré dans une église et j'ai entendu du chant gospel. C'est expérience transcendante. Ouais. Je savais pas du tout que je savais chanter. D'accord. Et je me suis dit, je veux faire ça. Et j'ai ouvert la bouche et puis ben, y a eu ça. Et puis après, ben, je me suis formé quand même. Vous avez tous les deux des voix magnifiques, toi aussi. Je pense qu'on cherche tous les deux à transmettre quelque chose d'essentiel C'est ça, chantant. C'est exactement ça, la notion de la transcendance. Là, on va écouter quelqu'un qui a aussi une voix magnifique, c'est Amaury Vassili. Oui. Vous connaissez ? Ténor. Un ténor. Ténor. On regarde ? Magnifique. Ouais. Allons-y. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Voilà, c'est un duo avec Chemin Dadi. Donc toi, qu'est-ce qu'il y a le pitch de ton One Woman Show? Ah là là, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. En fait, c'est une fille qui est venue faire un spectacle. En fait, c'est toi la fille. Oui, c'est moi la fille. On va dire que c'est toi. Donc c'est moi qui viens faire un spectacle en américain pour des Américains. Ouais. Et ce jour-là, ça se passe pas comme j'avais prévu. Et du coup, il faut que j'improvise tout. Et quoi de mieux quand on doit improviser que de partir de sa matière? Et sa matière, ma matière, c'est le vrai. Et c'est ce que je suis, c'est ce que je chante. Et c'est, voilà, c'est le fait que j'aime chanter. Et donc, c'est plein d'histoires vraies de ma vie. Mais pour tout un parcours un peu initiatique, elle est venue chercher le prince charmant et elle va trouver bien plus grand que ça. Oui, bon, voilà. On ne dévoile pas tout, ils ne viendront pas. J'ai rien dit. T'as rien dit ? Bradley ? Hein ? Bradley. Bradley Cooper ! Yeah. C'est ça, t'es amoureux de Bradley Cooper ? C'est surtout qu'il ne le sait pas encore, mais je suis la femme de sa vie. Oui, mais il ne le sait pas encore. Je crois qu'il ne le saura jamais, non ? Bah, dis donc. Moi, je lui ai dit de le taguer dans ses stories. Non, mais c'est ça. Il faut aller à l'archipel pour ça. La question, il faut venir à l'archipel pour savoir ce qui s'est passé. Bon, maintenant, on va regarder une autre comédienne qui s'appelle Isabelle Sprung. Qui fait aussi un One Woman Show. Tu vas voir, ça s'appelle Zaza vide son sac. C'est sympa. C'est même plus que sympa. Allez, moi, j'aime bien. On va regarder ça. On regarde ? Allez, hop. Allons. J'ai la ride qui se plisse. J'ai le menton qui se détend. J'ai plus le visage très lisse. Je fais face à l'usure du temps. Je fais face à la grimace. Je fais face. Je ne perds pas la face. Quoi qu'il se passe, j'ai la ride qui se précise. Je fais face au précipice. J'ai le cheveu qui se raréfie, qui se clarifie, qui devient gris. Je fais face au nouveau défi. Je fais face à la grimace. Je fais face. Je ne perds pas la face. Quoi qu'il se passe, j'ai le ventre qui se ballonne, la cellulite qui détonne, j'ai la jambe qui s'alourdit et le pied qui s'épaissit. Je fais face à la grimace. Voilà, c'est la belle chose. C'est un autre registre. Oui. Hein, mais c'est sympa quand même. Oui, oui. En plus, elle parle de quelque chose d'essentiel, la ménopause, mais elle le fait délicatesse, on va dire. Oui. Voilà. C'est un beau concept. Eh bien, les amis, car vous êtes mes amis, le GLPP était d'aujourd'hui, c'est terminé. Mais on se retrouve demain. On se retrouve demain, on l'a toute la semaine. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On dîne ensemble? On reste ensemble? Oui.
Oui. Ah, oui. On dîne ensemble à la tour d'un champ. Ça marche. À la tour d'un champ. Ah, tu vas direct. Il faudrait que tu nous invites à la tour d'un champ. Bah, si vous voulez, parce que tu le dis. Allez, okay. C'est parti, on y va. Au revoir, Priscilla, à demain. À demain. Au revoir, Papa Drag, à demain. Mouah. Au revoir, tout le monde, à demain. 17h15, super ciao. À demain. Ciao.